Un petit cube de fromage dès le matin pour aller bosser, ça fait du bien. Et aujourd'hui, je vous emmène ici chez Tipagral, une PME de 70 salariés aux portes de Dijon qui fabrique des bons fromages. Une nouvelle étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire et je vous emmène bosser en compagnie de Joey. Salut Joey. Salut Jerry, ça va? Super, et toi? Ça va très bien. Bon, vous faites des super fromages ici, hein? Apparemment. Ouais, en cube? En cube, en râpé, en tranche. Génial. Et c'est quoi ton job ici, toi? Moi, je suis opérateur de production à Tipagral. Bon, bah, on va découvrir ça ensemble. Avec plaisir. Bon, on s'équipe comme toi. C'est ça. Un tablier. Un tablier, des chaussures, masque, okay. Charlotte. Et c'est parti. On va faire de la cuisine ou quoi? Oui, ça y ressemble. Ah bon? Explique-moi ce que tu fais du coup ici. Bah, moi, je conditionne le fromage. Donc, j'ai deux lignes à moi. Et donc, après, c'est tout simple. Moi, j'alimente la machine en fromage, en bloc. Et je change les bobines, je règle la machine et. Rien de plus compliqué. Oh super, et les blocs de fromage, c'est incroyable. Ouais. Oh, ça, on dirait des lingots d'or. Ouais. Il y en a partout ici. Donc ça, c'est ta machine? Ça, c'est ma machine, voilà. Mais elle est toute neuve, non? Elle est toute neuve. Ah bon? Elle a un mois à peine, celle-là. Ah. Alors, on met en route. Comment tu fais? Bah, pour mettre en route, rien de plus simple, le bouton marche. On appuie donc ici. Donc ça, je sais faire. Voilà. Et là, il faut mettre à la suite. Ah, donc il n'y a rien de compliqué, quoi. Ah, rien de compliqué. T'as fait quoi comme étude? Moi, j'ai un bac S, tout simplement. Ok. Rien d'autre. Eh ben écoute, ça suffit. Oui, oui. Et t'avais envie de bosser? J'avais envie de bosser. Et on m'a proposé ici, j'ai dit oui, ça m'a plu. D'accord. Et je suis resté. Génial. Et qu'est-ce qui te plaît chez Tipagral? Ce qui me plaît chez Tipagral, c'est vraiment l'ambiance qu'on a ici. On s'entend bien tous ensemble. Et si on t'avait dit un jour que tu bosserais dans l'agroalimentaire? Ouais. J'aurais sûrement pas cru. Ah bon? Pourquoi? Ah, je sais pas, c'est peut-être pas forcément la première chose à laquelle on pense. Et tu dis quoi à tes potes? Bon, la vérité que je travaille dans de l'agroalimentaire, en usine. Et ils disent quoi? C'est quoi les clichés qu'ils en ont? Les clichés, bah, c'est un travail d'usine, voilà, t'as pas forcément réussi ou ce genre de choses. Alors que pas du tout. Alors que pas du tout, non. On peut très bien évoluer dans une boîte et atteindre de très bons postes en usine. Regardez ça, un bon emmental. Et au niveau des avantages ici, c'est bien? Ah oui, on a un très bel avantage ici, c'est qu'on a un kilo de fromage par mois offert. Ah bon? Ouais. Génial. De ce que tu veux? Ouais, en râpé. Mozza, cheddar, edam, emmental. Écoute, je signe tout de suite. Donc là, ici, pas besoin de masque, pas besoin de gants, manchettes. Okay. On n'est plus au contact du fromage nu, donc tout est sous emballage. Okay. Ce que je te propose, c'est qu'on va faire des tests pour les blocs. Et on va faire quoi comme contrôle? On va regarder le taux d'oxygène dans le bloc. D'accord. Voilà, pour voir s'il est correct. On met dans la machine, ouais. On scanne notre produit, on ferme bien, ça va gonfler le bloc. Si jamais il y a une fuite, de l'air sort, ça va nous l'indiquer sur la machine. Donc là, on est bon? Là, on est bon. Et dis donc, Joey, c'est hyper robotisé ici. Ça, c'est des très bonnes machines, ouais. Incroyable. Ça, c'est la râpée. Ouais. Et tu bosses ici, toi? Non, pas encore. J'aimerais bien. J'aimerais bien quoi? J'aimerais bien devenir conducteur de ligne. Donc, m'occuper des lignes, ouais. Tout ce qui est déballage, râpé et les nouvelles machines. Les robots. Les robots. T'aimais bien les robots quand j'aimais tu bien les robots. Quand... Ah ouais. Donc là, tu les mets en carton. C'est ça. On en met trois par carton. Et ça part où, ça? Ça part dans la France, à l'étranger, ah ouais. Espagne, Angleterre, voilà. Jusqu'où? J'ai déjà eu des commandes jusqu'en Corée. En Corée? Ah ouais. Ah, donc t'es fier, quand même. Là. Ouais, c'est sympa de se dire ça. Envoyé en Corée. Cheddar. Ici, tu travailles du lundi au vendredi. Comme moi, juste de la motivation. Fromage et dessert. Joey, c'est l'heure de la pause? C'est l'heure de la pause. Bon, il est quelle heure? Tipperary, c'est où ça? Tipperary, c'est la ville où se situe la maison mère en Irlande. D'accord, d'où le nom Tipagral. C'est ça. Bon, et on part sur quoi là? Alors, là, on a de l'emmental, ouais. De la mimolette et gouda cheddar. Eh ben écoute, allez. À la tienne. À la tienne. En tout cas, merci pour la découverte de ton job. Avec plaisir. Vous aussi, n'hésitez pas à postuler. Ils recrutent chez Tipagral. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Et n'oubliez pas de jouer. Likez la vidéo. Et abonnez-vous.